Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment résoudre des exercices sur l'électricité. La première chose, c'est d'analyser. Ici, on a un circuit et on va vous demander quelle est l'intensité totale de ce circuit. Du coup, quelle est l'intensité totale? On va voir déjà ce qu'on a. Première chose, c'est identifier le circuit. Est-ce qu'on a un circuit en série ou en parallèle? Si on regarde ici, le plus simple pour savoir, c'est de partir du générateur et de voir est-ce que je passe par toutes les résistances en une fois. Ici, c'est le cas. Du coup, je suis sûr que c'est un circuit en série. Donc, la première chose, savoir série, parallèle. C'est un circuit en série. Maintenant, je veux savoir l'intensité. Du coup, je vais essayer de voir ce que je connais. La deuxième chose, voir ce que je connais. Je connais quoi? Je connais R1 qui est égal à 25. Ohm, je connais R2 qui est égal à 15 ohms et je connais R3 qui est égal à 10 ohms. Qu'est-ce que je connais d'autre? Je connais U qui est égal à 100 volts. Maintenant, troisièmement, j'aimerais savoir l'intensité totale. Et pour savoir cette intensité totale, je vais me dire, mais quelle formule je pourrais utiliser? Eh bien, étant donné qu'on connaît R, on connaît DR, on connaît U, on pourrait se dire, ah ouais, ben je peux utiliser la formule de U est égal à R fois I. Du coup, je connais U, qui vaut 100, je peux le remplacer. Je connais pas I, hein, ça on sait. Et j'ai encore un petit problème, parce que la résistance, j'en ai 3. Mais du coup, je me dis, ah oui, c'est un circuit en série. Donc, je suis obligé de passer par le point, on va dire, 4A. Je dois calculer la résistance totale de ce circuit. Et on sait, comme c'est un circuit en série, on sait que la loi dit les circuits en série. Pour savoir la résistance totale d'un circuit, je dois additionner toutes les résistances. Du coup, R1, R2, R3. Du coup, ici, R1... 15 plus R1 25 plus 15 plus 10 et du coup j'arrive à une résistance totale 25 plus 15 40 plus 10 50 ohms. J'ai ma résistance totale que je peux réintroduire dans la formule 50. Du coup j'arrive à une espèce d'équation. Pour trouver I, je fais 100 divisé par 50. Du coup, l'intensité totale ici vaut 2. Je fais gaffe aux unités. C'est l'intensité, c'est des ampères, 2 ampères. Je finis par une petite phrase réponse. L'intensité, et je vais essayer de ne pas être trop dyslexique. L'intensité vaut 2 ampères. Du coup, ce que je dois faire attention quand on calcule ce genre de choses en circuit, c'est toujours de prendre les bonnes formules et les bonnes règles. Premièrement, si on répète, je fais attention à savoir est-ce que c'est en série ou en parallèle. Deuxième, je note tout ce que je connais. Troisième, je regarde ce que j'ai besoin. Quatrième, je note la formule et j'essaie de compléter cette formule. S'il me manque quelque chose, je vais aller chercher dans d'autres formules. Donc, c'est les étapes qui sont essentielles. Là, c'est circuit parallèle. J'analyse un peu. Des fois, ça peut être un mix des deux. Je note tout ce que je connais. Je cherche les inconnus grâce aux formules. Je termine en faisant la phrase réponse et en mettant la bonne unité.